Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefield Gothic Armada 2, toujours en coop et on est toujours avec Katox. Salut Katox. Salut. J'ai jamais fait gaffe mais à côté de ton nom il y a une espèce de grosse croix avec un crâne, c'est super classe. Dans le menu de coopération. donc du coup on se retrouve, on tourne cet épisode dans la foulée des suivants parce que bah du coup on est un peu hypé par le jeu donc on a envie de voir les autres trucs à découvrir. Donc si vous nous avez mis des commentaires, on vous en remercie, mais on les verra du coup un petit peu plus tard, on s'excuse d'avance. Et on reprend. Putain, j'ai eu peur, j'avais une interface d'ouvert, j'ai cru que nos flottes étaient tombées à zéro de points de bataille, mais non ça c'est bon. Donc il fallait qu'on te rachète un chef du coup. Ouais. Va falloir se détendre sur la consommation des chefs. Bah oui, fais de mon mieux. T'inquiète. Je pense que je vais mettre un bassin de valorisation direct sur Subiaco Diablo là. Sinon on peut faire un nuage de sport mine. Mais l'intérêt, je pense qu'il faudrait les petits systèmes les garder pour des valorisations et le gros système, genre Bellis Corona, quand on avait mis la couveuse, ça faisait vraiment presque un plus 100% de réparation par tour. Ouais. Après, je sais pas si c'était parce qu'on était encore en mode assimilation ou pas. Bah, je sais pas, la description c'est marqué que ça régénère entièrement les troupes et répare totalement les flottes stationnées dans le système, donc je pense que. Ouais, donc en gros, c'est la. C'est, voilà. C'est le truc qui est de base, il fait 100% quoi. Voilà. Après, il y a du coup, on s'est arrêté à l'épisode d'avant là, il y avait le tuto qui disait qu'on pouvait du coup déployer des forces Vanguard dans les systèmes. Genre, si tu cliques sur la faille de Palatinos. Hop. Faille de Palatinos. Ah ouais, force Vanguard. Donc, on peut, ça coûte 100. Et on a l'ombre du warp, ça réduit la bravoure. Après, les points de coque de défense ennemie dans le système sont réduits de 50%. Le signal du patriarche. On peut se rendre dans le système depuis n'importe quel endroit pour un point de déplacement. On a une flotte qui apparaît pour affaiblir ses défenses. Et du coup, plus on a de renommée, plus ça fait mal. Et après, on peut infester des Space Hulk. Ouais, donc en gros, t'investis par tranche de 100 points, et si t'investis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, t'investis 1100 points dans un système, il tombe sous ton contrôle. C'est ça. Sympathique. Pour des systèmes qui sont vraiment ultra défendus, ça te permet de. Et est-ce qu'on peut le faire sur un truc qui est loin? Oui, je peux complètement le faire directement sur Chimas Lomas si je veux, quoi. Ça peut complètement permettre de commencer à laminer le système pour qu'il soit prêt quand on arrive, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je sais pas si ça augmente avec le temps. Bah écoute, je vais tester de l'activer sur Chimas Lomas pour voir, vu que c'est le système qu'on doit prendre. Ouais, c'est bien lui, une bonne idée. Ouais. Allez, 100. Hop là. Ok, je peux plus cliquer dessus et le premier niveau commence à se remplir. Ah, donc c'est peut-être avec le temps alors. C'est peut-être avec le temps, ouais, on va voir. Ça peut être intéressant quoi. C'est un monde condamné, ok, très bien. Route migratoire des titans de l'espace. Ouais, c'est sympa, toutes les petites. Les petits effets de système et tout, c'est cool. Ok, bah du coup, est-ce que je le lancerai pas sur la faille de Palatinos pour que ça le bouffe tranquillement dans notre dos? Oh, sachant que si on doit dépenser vraiment 1100 pour le conquérir, ça vaut peut-être pas le coup, mais. Bah, autant se refaire et puis aller taper dessus, quoi. Ouais, ouais, carrément. Donc, du coup, je vais lancer un bassin de valorisation sur ce système-là, si ça te convient. Sur le Subiaco qu'on a capturé, là. Ouais. Hop, c'est parti. Alors, je t'ai acheté un général avant qu'on oublie. Ok, donc là effectivement, dans 10 tours, j'aurai le général que j'ai recruté la dernière fois qui repart. Par contre, il coûte 3 fois plus cher. Hein. D'accord. Ah non, pardon, ça c'est le nombre de points de flotte et ça c'est la somme. Ressources requises et. Ça c'est. Ah non, ok, pardon, il coûte toujours le même prix, excuse-moi. Alors, on a un carapace 1 pointe, un cri psychique. Un cri psychique, un champ de sport. Ok, c'est le même que la dernière fois. Je te reprends un carapace à pointe. Ouais.
Et il aura le cri qui enlève le moral aussi. Essaie de le faire monter au niveau 4 celui-là. Moi ouais, je vais pas cracher dans la soupe parce que j'ai pas beaucoup exposé mon mec la dernière fois quand même. Et c'est vrai qu'ils sont vachement fragiles, hein. T'as l'habitude des vaisseaux Imperium là Ouais, qui sont un peu plus blindés. résistant, ouais. Ouais, mon style de jeu, c'est. Mais après, le style de jeu Tyrannide est pas mal parce que tu prends pas de dégâts des prônages. Avec l'Imperium, je pense qu'à certains vaisseaux, c'est à peu près pareil. Tu prends pas de dégâts sur les prônages. Ouais, tu t'en prends, mais par contre ils en font en plus, ceux qu'on les prend magnétiques là. Ouais. Donc voilà, c'est un style différent, mais c'est vrai que je suis plutôt agressif dans un style de jeu. On a un point de progression à claquer. Ouais, j'étais en train de regarder, je suis en train de voir en fait que mon amiral a aussi des pinces, faudrait que j'y pense du coup. Non, c'est pas ça. Hop. On Alors du regarde les coup, différents points. qu'est-ce qu'on peut faire? Augmenter la vitesse de rotation des vaisseaux. Ouais. Le vaisseau est en mode furtif quand il bouge pas sur les escorteurs. Moi je vais laisser juste à côté, excrétion spasmodique. Tant que le vaisseau est en mode rechargé, la vitesse de régénération de son bouclier augmente de 100%. Ouais, c'est pas mal. Ce qui peut te permettre de l'isoler un petit peu du combat, tu le mets en mode rechargé et Il repasse son théorie. bouclier, ouais. Il repasse son bouclier. Celui d'à côté, c'est de la merde, ça fait des dégâts aux troupes orques. En plus, champ de spore, donc c'est quand tu l'exploses. Contrôle synaptique, le vaisseau immunisé contre les pertes de morale. Et en plus, ça booste le moral. Ok, pourquoi pas, mais c'est sur les croiseurs de combat, on n'en a pas encore. Régénération améliorée sur les vaisseaux de ligne. 5% des dégâts critiques, c'est en gros quand tu te prends Ouais, des quand tourelles en t'as moins, etc. des armes C'est que ça peut désactivées et être tout. intéressant. Bah, vu que pour l'instant on joue beaucoup le corps à corps, on n'a pas tant d'armes. Enfin, moi j'ai le tentacule. Mais à part ça, on n'a pas tant d'armes en fait à recharger, je pense. Ah, c'est surtout le. Quand je regarde les sorts, c'est niveau métabolisme qui ont l'air intéressant pour moi, quoi. Ouais, T'as je regarde le la recharge dernier. des boucliers. Obtient la compétence infiltration tyrannide qui agit comme une frappe éclair. Ah, c'est pas mal ça quand même, hein. Ça, c'est pas mal. Chance de Mais c'est sur les vaisseaux de critique. ligne. Ouais, c'est sur les vaisseaux de ligne, ouais. C'est encore un peu plus loin, quoi. Bah, vaisseau de ligne. Ah oui, vaisseau de ligne. Qu'est-ce qu'ils entendent par vaisseau de ligne? Je pense au. Mais non, les croiseurs, c'est pas des vaisseaux de ligne. Croiseurs légers. Donc c'est peut-être les croiseurs de combat. Attends, si je vais dans un nouveau vaisseau, est-ce que c'est marqué? Non. Si, vaisseau de ligne, c'est les gros, hein. Si tu gardes à gauche de ta flotte, t'as les escorteurs, les vaisseaux de ligne. Donc les vaisseaux de ligne, c'est tout ce qui est plus gros qu'un escorteur. Ah d'accord, bon, ça va alors. Et le dernier, c'est quoi? Réduit de 50% le temps de rechargement des armes à bioplasma et pyroacide lorsque les vitaux se situent dans le nébuleuse ou le champ d'astéroïdes. Ok, donc là tu te poses dans une nébuleuse et puis tu mitrailles tout ce qui passe dehors, quoi. Ouais, bon. Je suis assez d'accord, la régénération du bouclier me tente plus, vu d'ici. Bon après, ouais, c'est que les vaisseaux de ligne, parce que de toute façon les petits ils ont même pas de bouclier. Du coup, je pars là-dessus, si ça te va. L'excrétion spasmodique. Ouais. Hop là. Et après d'ailleurs on aura quoi? 100 acides. Oh putain, c'est tellement la violence. Tant que le C'est-à-dire vaisseau a que... moins de 50% de ses points de coque, il laisse derrière lui une traînée qui inflige 25 de dégâts par seconde. 25 de dégâts par seconde, quoi. Ouais, donc c'est encore plus utile pour quand t'es en corps à corps, quoi. C'est clair. Ah, sauf qu'il faut que tu perdes des dégâts du coup. Bon, à 50%, ça va encore. 50% ça va. Et donc du coup ils ont ce truc là. Faudra pas que j'oublie de l'utiliser du coup. J'ai tendance à oublier ce genre de compétences. Est-ce qu'on pourrait pas recruter quelques vaisseaux pendant qu'on y est? Ou est-ce qu'on l'avait fait? Je sais plus. Non, allez, on est à vide. On est à vide pour l'instant. Il faut passer le tour. Ouais. Et on n'a plus de mouvement pour retourner. Bah pour l'instant, je vais laisser le bassin de valorisation sur Bellis Corona. Et on verra s'il y a besoin d'autre chose. À terme. Allez hop, c'est parti. Fin du tour. C'est vrai que ça avance, hein. Alors, cela dit, en gagnant cette bataille, ils ont perdu un point de menace, hein, tous, donc. Dans le système.
Alors du coup, donc t'es revenu à 320. Attends, pourquoi je suis aussi faible par rapport à toi, c'est bizarre. Je peut-être parce que mes vaisseaux sont considérés moins forts, peut-être. T'es sûr que... Ouais, c'est vrai que c'est... J'ai pas perdu d'escorteur, non. T'es sûr que celle d'en dessous, c'était celle... C'était... Celle que t'avais avant. Ouais, parce que j'ai recruté la flotte en haut, je crois. J'ai recruté l'amiral en haut. Oui, c'est celui qui a boulet de démolition et récupération rapide, donc ouais, c'est ça, c'est la mienne, c'est la plus faible. Ah, mais ça doit être parce que j'ai perdu de la vie. Non, non, c'est parce que je suis pas full life, ça doit être pour ça. À tous les coups, c'est pour ça. Est-ce qu'on se refait une flotte ou est-ce qu'on renforce celle-là? Bah, si on essaie de la renforcer, mais normalement, dans les flottes, si mes calculs sont bons, généralement. 400... Ah non, on est monté à 450. Ouais, ah je ouais, peut-être moyen de rajouter un deuxième vaisseau de ligne, quoi. Un je troisième peux, vaisseau ouais, de ligne je sur peux la rajouter mienne. Un troisième vaisseau de ligne ou alors deux escorteurs, quoi. Moi, je suis plus à troisième vaisseau de ligne. Je vais me prendre un vaisseau de ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Artillerie à pyroacide, des missiles. Je suis pas fan des missiles. Des grosses tentacules, bof. Ou alors je joue le corps à corps aussi. Ah, j'ai bien envie de prendre le Void Prodler à acide là, avec que des trucs pyro-acide. J'aime bien le concept. Expert en abordage, efficacité des troupes mortelles. Ouais, allez, on va prendre ça. Hop, 416, on est à 449 sur 450. C'est parti. Et du coup, on n'a pas assez de points pour te reprendre un vaisseau de ligne tout de suite, mais on pourra le faire au tour d'après. Est-ce qu'on va prendre la faille ou pas? Tiens. Juste avant, je vais aller voir, est-ce que ça a avancé? Ouais, on dirait que ça commence à avancer, les forces Vanguard là sur Shima Slova. Donc, Hop, juste regarder ça. La jauge commence à devenir un peu plus opaque, là, la deuxième. Se propage, tout en étant en accord avec le lore, c'est bien. Ah ouais, franchement, c'est sympa. Et du coup, peut-être que le temps qu'on arrive, il sera tout le système. Pour être fun. Bah, pourquoi pas. Après, on peut aller directement à Phonosar pour commencer à rentrer sur, sur autant... le système. Hein. Autant je suis agressif dans mes combats, autant je suis défensif dans mes placements stratégiques. Je préfère vraiment tout vider, parce que sinon ça veut dire laisser une flotte en attente. Ouais, tu veux être sûr qu'il y ait personne dans notre dos. Ouais. Bah après, tu vois, si on fait des nuages de... Ouais, mais si on fait des nuages de sport, on est obligé d'enlever les bassins de valorisation. Ouais. Parce que les nuages de sport, ça met des délais, mais... Parce qu'après, là, tu vois, si on va là, on va rester là ce tour-là, il va nous falloir un tour pour retourner à Bellis Corona. Et on va passer au niveau 1 d'urgence avant d'arriver à Phonosar, quoi. Donc ils auront peut-être commencé à recruter. Mais d'ici là, on sera sûrement renforcé, voire on aura une flotte de plus. Donc, Après, on a 2 de mouvement. Donc 1, 2, ah ouais, d'accord. Ouais, bah si, parce que là, on va perdre nos mouvements en allant à Palatinos. Et après, il nous en faudra un tour pour retourner à Bellis Corona. Donc ça fera 2 tours déjà pour arriver à Bellis Corona. Et après, on devrait avoir rempli la jauge ou à pas loin, quoi. Ouais, bah, on verra un peu ce que ça donnera. Allez, de toute façon on est là pour faire de la bataille, c'est parti. On va à Palatinos? Oui. Go. Hop. Alors, bataille. Hop là, c'est parti pour la bataille. Alors, est-ce qu'on peut choisir les ordres de déploiement? Alors... Ah oui, je peux choisir la flotte. Alors bien sûr, je veux lui. Voilà, les vaisseaux amiraux. Thousand Sounds et les Night Lord. Le Kraken étrangleur, il est un peu dans le mal, donc à la rigueur, je vais le laisser derrière. Je vais te filer ton corrosif, ton Kraken griffu. On est à 221 seulement. Ouais, donc faut que je prenne celui-là. Ouais, ok. Ah mais non, mais j'ai pas fait gaffe, en fait on a ce qu'il faut. Confirmé. Annulé. Merde, retour, voilà. Ah non, on est à 736 et il faut 675. Un truc m'échappe.
Ok, je suis pas bien sûr d'avoir compris le concept, Parce mais... que je pense que tu les as mis dans la réserve, en fait, tout cela, non? Ah, force déployée, tu penses choix de la flotte? Ah oui, exact, oui, Ouais. zéro, oui, c'est bon, mais t'as complètement raison, c'est moi qui fais de la merde. Autant pour moi, donc le Kraken on le prend, lui on le prend. Ah oui, et du coup ça se grise effectivement là, d'accord. Très très bien. Bah du coup, on va prendre, on a lu ton Griffu qui est blessé, les autres sont blessés. On va prendre ton Kraken corrosif. Le Kraken étrangleur, il est dans le mal. Ouais, en fait, il y a juste un vaisseau de ligne qu'on peut pas mettre quoi. Ouais, on va laisser le Kraken étrangleur derrière pour l'instant. Parce qu'il est blessé, autant qu'il crève pas si on peut l'éviter. C'est parti. Ah, on a une petite ciné cette fois. 10,000 years have passed since the galaxy burned in the fires of the Ah, parce qu'on Horus attaque le Heresy. chaos pour la première fois, peut-être. Ah oui. Ten millennia Profitons. since the greatest of the Emperor's Primarchs fell into the grasp of eternal damnation and tore the galaxy asunder. Horus Lupercal may be dead, his body ashes, and his memory the stuff of a cursed legend, but the wounds he wrought yet gape in the hide of an embattled Imperium. For the battle against Chaos knows no end. Many of Horus' servants survived the civil wars, and they have not forgotten their defeat. When the War Master fell, they retreated to the Eye of Terror and waged battle anew. Greatest of these was Abaddon the Despoiler, Horus' greatest living heir. Abaddon took the title of War Master for his own, and embarked upon a long and bloody campaign to succeed where his fallen master had failed. 12 Black Crusades he launched against the Imperium of Man. 12 world-shattering campaigns to forever alter the balance of power. Now, as the millennium draws to a close, a vast armada of traitors slips its moorings as Abaddon launches his 13th and perhaps final strike. As the tide of chaos breaks against the Cadian Gate, the Imperium holds its breath. Faith alone cannot hold back these bleak waters. Only valor will serve. Ok, parfait. Donc le Ça donne le chaos, ton. très très bon à longue distance, hein. Ça va être, va falloir les éperonnés, je pense, enfin les tentaculés. Ouais. Ah, on est dans une map plutôt tyrannique déjà. Un peu vomitive, on va dire. Ouais. Alors, très très bien. Tiens, on a une mini forteresse de notre côté. Je crois que c'est juste un décor. Oui, je pense bien. Alors du coup, on a des points. Je n'ai pas fait gaffe. Je crois non, je crois qu'ils avaient pas amélioré leur système, hein, donc il n'y aura rien de fou. Je n'ai rien vu. Alors, vaisseau amiral avec la récupération rapide et tout, ça c'est moi. Vaisseau amiral l'autre. Ah, j'avais pas fait gaffe. Du coup, t'as des tentacules avec celui-là. Merde. C'est pas grave, j'essaierai de. Normalement, je t'ai quand même filé un griffu. Ouais, c'est celui-là. On a deux biogriffus. Ah, ensuite, on a deux biogriffus. Deux gros biogriffus, vu que mon hôte était blessé. Je vais te donner les deux. Tu veux que je prenne ton amiral? Ouais. Ouais, garde. Je peux plus le recliquer dessus si tu veux me le rendre. Voilà. Non, je peux pas cliquer, comment ça se fait? Ah si, ah, non. Ah Okay. oui, parce Voilà, que mon pardon. amiral est d'office à moi. Ok, c'est bon, je l'ai récupéré. En fait, je peux pas cliquer dessus sur la map, mais je peux cliquer dessus dans les vaisseaux à droite là. Ah ouais. Donc, du coup, normalement, je t'ai donné celui-là. Celui-là, mais c'est pas un. Ah non, mais attends, mais je fais n'importe quoi. Attends, excuse-moi. Ça, c'est pas du tout un. Non, ça c'est mon nouveau celui-là, donc non, attends, excuse-moi. Je te rends ton amiral, je prends le vaisseau à acide là.
qui a un canon à acide lourd. C'est celui que oui, c'est lui pour moi celui-là, excuse-moi, je me confonds. Donc t'as ton Kraken Griffu, normalement Caustic Drone, Kraken Griffu, celui-là il est pour toi. Kraken Corrosif, il est pour moi. Et le Caustic Drone, il était pour toi. Ok. Donc cette fois c'est toi qui as deux escorteurs. Ok. Comment on va jouer ça du coup? Il y a deux points assez proches sur la gauche. Ouais. On pourrait commencer peut-être par là. En étant groupé, là, je pense que ça vaut pas le coup d'envoyer les escorteurs tout seul à droite, ils vont se faire défoncer. Ouais, on va rester groupé. Je propose d'avancer tout droit sur le premier à gauche. Moi je vais avancer un petit peu plus. Ok, ça me va. Je prends celui de gauche. Je taperai mes deux escorteurs dans la. Allez, dans la nébuleuse. Celle de droite? Celle du centre, ouais. Celle-là. Ouais. Celle que t'as montré. Cham va. Eh bien écoute, si t'es prêt. Je suis prêt. En avant. Je vais mettre des touches, ça marche, contrôle 1 et tout. Parfait. Alors, ils sont posés a priori tout à fait à l'opposé. Et eux, ils sont mis en face d'une amas d'astéroïdes qui contourne. Ok, c'est intéressant. Du coup, on va prendre l'avantage au point, visiblement. Je pense que très vite, on prendra. Je sais pas trop sur quoi sont. Enfin, comment sont construites les maps, si elles sont avantagées sur certains critères, mais on est clairement avantagé sur ce start. Hein. Oui, par rapport à la gauche, mais par rapport à la droite. Bah, disons qu'on a un point qui est quand même vachement plus proche, vachement plus vite, quoi. Oui, après, eux, voilà. T'as la réponse. Ouais, ils ont tracé, là. C'est vrai que j'aurais pu me fendre une petite poussée, hein, pour aller plus vite. Fais gaffe, t'as un escorteur qui est mi-life, hein, je crois. Non, c'est qui est mi-life? Étrange. Mid-life. Il y a un escorteur mid-life là. Il serait en S. Je le vois pas. Je peux pas le sélectionner, je le vois pas. Peut-être qu'il est en. Ah, mais non, mais il était carrément en dehors de la map, d'accord. Mais ah, il est venu en renfort. Ah oui, il doit être venu automatiquement parce que j'avais pas sélectionné suffisamment de points tous les coups. Tous les coups c'est ça. Ok, bon bah je l'envoie. Je vais le prendre du coup. Hop, vous c'est bon. On avance les gars. Je vais me mettre entre la nébuleuse et toi du coup. Toi bouge ton fion. Donc ils sont en train de nous charger là. Hein. Ah, y'en a un qui te charge dessus, attention, sur tes escorteurs. Je casse. Violence. Qu'ils envoient cela. Mode furtif, mais t'as cru quoi toi? Voilà, un bon gros coup de. Ouais, ça fait mal les armes acides quand même. Attends, laisse passer, est-ce que j'ai ma charge qui est dispo? Je vais aller. Si je lance la charge maintenant, ça se tente. Pas mal, je peux le finir avec mon boulet, mais faut que je pose. Je m'éloigne.
Oh, il va crever avant. Repli. The enemy has seized a strategic area. Il s'acharne sur toi, le petit veul. Lui, on va lui envoyer une petite tentacule des familles. Fais-moi le malin, hein. Voilà, la grosse boule acide fait mal aux fesses. Hein. Arrête-toi, toi, tu vas rentrer dans le copain. Ouais, faut que tu le replies là, le... je sais pas si tu l'as déjà replié, celui qui est quasiment mort, mais... Et c'est en cours. Voilà. Ok, équipage mutin, c'est fait. Celui qui est mis life... Hop, on va mettre en 4. On va vers les deux qui ont déjà été repérés. Ça me va. Je vais envoyer mon mi-life s'occuper du point. Ah non, il y a des ennemis dessus. On se fait défoncer par le point de gauche. Là. Bon, je vais aller sur le point tout au nord. Je sais pas ce qu'il nous a envoyé comme arme, mais. Ouais, il y a quelque chose qui nous harcèle de loin là. On a une courte avance. Hein. Ouais, ils sont en train de charger partout là. Ouah, les petits. Ouh là là. Oh putain, y'a du monde. On s'arrache. Ok, on va se réangler. Toi t'es prioritaire. Toi t'es second. Que je vous dis que j'ai des mâchoires avec lui. Voilà, ça te prendra. Ça fait un peu la charge des orques là. Ouais, non, par rapport au premier. Ouais, bah même dans celui-là, hein, je crois qu'ils l'ont aussi. Hein. C'est quoi? C'est rechargement pour recharger le bouclier à fond. Hein. J'ai envoyé mon petit escorteur qui est dans le mal à s'occuper de. Allez, putain, il est trop loin ce con, tu te fous de moi. Change un peu d'angle, tu t'en sors avec ceux de ton côté ? Un mois j'espère. Voilà. On va laminer un peu leurs troupes. Voilà. Visez-moi leur armement là. Bam! C'est énorme ce truc! C'est tellement énorme! Ah, le boulet de démolition, je vais kiffer, franchement. Qu'est-ce qu'il fait? Putain! Ah, le fumier! The
enemy has accumulated 50% of strategic points. Toi, tu arrives à prendre ton point là ou pas, Yulcat? Ah putain, quel con, j'avais mis un... je l'avais laissé en mode attaque, faut que je fasse attention à ça. D'accord. Le chaos, c'est des snipers quoi. Ah ouais, ouais, ils sont violents avec ça. Hein. C'est chaud de les rattraper. Hein. Bon, ils sont plus ou moins en train de s'enfuir quand même là, on dirait. Ah, là ils ont commencé à faire demi-tour, toi tu vas esquiver. Bon, je replie un des gros parce que il prend cher. Pas envie de le perdre avec un coup de snipe mal placé encore. Pas de soucis. Comment il me snipe, bordel? Voilà. Lui il est mort, ok, très bien. Oh, pourquoi tu peux rater ça, frère sérieux quoi? Ouf. Voilà, lui c'est fait. Le boulet c'est quand même vraiment fun hein. Le vaisseau il dégage en face quoi. Bien, une belle victoire une fois de plus. Bon du coup je pense que tu vas te faire déco de nouveau. Ouais, je suppose aussi. On va quand même voir les résultats. 632 renommées, c'est pas mal. Et ah, on a des niveaux. Très très bien. Hop là, la faille de Palatinus est à nous. J'ai pas été déco. T'as pas été déco? Ah cool. Bah du coup, non. Je vous dirais que lancer un bassin de valorisation dessus. J'ai parlé trop vite. Ah, ça vient un peu après. Bon bah écoute. Ça va. Bah c'est pas grave, de toute façon on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu du coup. En tout cas, moi je trouve ça vraiment sympa le mode coop pour l'instant. Pas mal, sans les bugs ce serait mieux. Ouais, ouais, sans la déco à chaque fois c'est sûr. Mais bon, ça tombe bien parce qu'on a le temps de papoter, de faire une bataille et après tu déco. Donc... Ouais, ça donne le signal quoi. C'est ça. Ok, bah la prochaine fois on se retrouve pour terminer, je pense, le nettoyage de ce système. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de stratégie ou des commentaires, n'hésitez pas également à nous les soumettre. Et puis bah on se dit à très bientôt. Salut.